Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis hyper content d'être avec mon pote Greg et dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter une séance upper body intégrale que vous pouvez faire pendant les vacances si vous êtes au centre aéré, à l'hôtel, chez papy et mamie, sans aucun matériel. In, out, en 25 minutes, on transpire, on fait de l'hypertrophie, on fait du muscle et on ressort avec le sourire. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Vous savez, on ne fait pas de séance de sport digne de ce nom sans faire un bon échauffement et une bonne activation. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec un kiné émérité expert. Et donc, on va demander à Greg de nous pitcher une petite activation. Une petite activation. L'idée, c'est qu'on va travailler, tu as choisi une séance, on va faire du pousser et du tirer. Exact. Un des muscles clés, un des groupes musculaires clés, ça va être la coiffe des rotateurs. Souvent, les gens pensent que pour la coiffe des rotateurs, il suffit de prendre un élastique et d'étirer comme ça pour avoir un bon équilibre d'épaule. C'est bien, mais on va l'optimiser. En fait, la coiffe des rotateurs, c'est ce qui te permet d'avoir une bonne précision, une bonne activation et donc de pouvoir développer plus de force et donc un meilleur recrutement de tes muscles que tu cherches à développer. Un exercice tout simple que je peux vous conseiller, c'est juste, tu viens prendre ton ulna, le cubitus, et là tout ce que tu vas faire, c'est venir chercher 10, comment t'appelles ça, abduction latérale. Ouais, en excentrique. Pour venir taper juste là. Tu vas être à la fois sur le deltoïde poste et sur la coiffe. En faisant ça, en fait, tu vas te permettre tout simplement d'activer ta coiffe qui va être plus dynamique, juste plus éveillé. Okay. Tu me le fais 30 à gauche et 30 à droite. Okay. Si vous avez un élastique, rien ne vous empêche de faire des rotations externes avec le coude collé ou des petits face pulls ou des petits tirages ici. L'activation sera franchement probablement... les exomuscus fonctionnent très très bien. Moi, c'est ce que je fais avec mes patients. Juste faites-les. Un autre qui marche bien, c'est allonger sur le côté avec l'élastique que tu as là et tu peux venir chercher ça. En gros, à chaque fois, ce que tu veux, c'est que ça bosse derrière. 30 à droite, 30 à gauche, tu peux faire 2 à 3 séries. Super. Exercice numéro 1, du coup, un exercice de poussée horizontale. Classiquement, c'est super facile avec un schéma qui est les pompes, qui est assez négligé. Les pratiquants, dès qu'ils deviennent un petit peu avancés, ils disent « ouais, les pompes, etc. » Les pompes, quand on les fait bien, c'est un excellent exercice. Le principe pour pouvoir adapter la difficulté des pompes, ça va être tout simplement d'adapter l'inclinaison de son corps par rapport à la gravitation terrestre, c'est-à-dire par rapport au sol. Typiquement, si vous faites des pompes comme ça, ça va être beaucoup plus facile que si vous faites des pompes en appui, en ATR, appui renversé sur les mains. Donc, si je ne suis pas trop fort en pompe, je vais commencer avec les mains en appui sur un support et éventuellement, comme Greg le démontre ici, à genoux, ce qui va réduire le bras de levier de l'intégralité de mon corps puisque j'ai les genoux en appui. Et je vais simplement venir faire une flexion des coudes ici et amener ma poitrine en contact avec le support, en l'occurrence un canapé, un sofa, un gros tabouret, deux chaises, une table de jardin, une table basse, ce que vous avez sous la main, un chien s'il est suffisamment solide. Pour les débutants, ça fait le taf. Ça peut faire vraiment le taf si vous avez du mal à faire des pompes. Et ce qui me paraît aussi dommage, toujours, c'est d'entendre « Ah ouais, mais moi, j'ai pas le niveau pour faire des pompes. » Mais c'est pas grave, parce que si vous n'avez pas le niveau pour faire des vraies pompes, vous pouvez toujours adapter pour avoir le niveau pour faire un mouvement de développé horizontal qui est adapté à votre niveau athlétique. Là, Greg va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre les mains sur le sofa, il va mettre les mains par terre. Et on a un exercice qui est hyper bien exécuté au niveau d'un pratiquant qui pourrait être peut-être un tout petit peu moins débutant ou qui pourrait avoir un poids de corps un tout petit peu moins élevé. Ça, ce serait notre niveau 2. Notre niveau 3, ce serait des pompes classiques, ce que tout le monde entend par pompe, avec un appui au niveau des pieds, un appui au niveau des mains. Et Greg nous fait une super exécution ici. Vous voyez qu'il maintient une cambrure au niveau du rachis lombaire qui est neutre. Il n'accentue pas outre mesure. Il a les fesses légèrement vers le haut, mais il a aussi les abdos gainés et rentrés. Il a une bonne posture. On est sûr qu'il ne va pas se baisser à cause de son exécution. Et il va fléchir ses coudes et venir poser les pecs au sol et faire ses reps en remontant avec les coudes tendus. Ça commence à piquer, il en a fait 70 le pauvre. Ça, c'était vos trois niveaux. Si vous êtes un peu meilleur, le mec est excessivement chaud. Je vais juste proposer la vidéo, il m'a dit « vas-y, je vais me faire une séance en one shot ». Si vous êtes un peu meilleur, vous pouvez inverser la logique et surélever le point d'appui au niveau des pieds ou des genoux, comme Greg le fait ici. C'est la position de la grenouille en pompe. Et là, pour le coup, c'est plus difficile de vraiment maintenir le verrouillage lombaire. Ouais, parce que son alignement. Et son alignement. Du coup, vous pouvez juste descendre un tout petit peu moins bas ou au contraire, bien verrouiller au niveau lombaire, descendre et peut-être venir un peu plus sur les triceps et moins en ouverture. Plus vous allez avoir les mains serrées, plus vous allez recruter les triceps, plus vous allez avoir les mains écartées, plus vous allez recruter le grand pec, notamment via ce pattern d'adduction-abduction. L'intérêt, c'est surtout de trouver une position dans laquelle vous êtes confortable au niveau des poignets et au niveau des coudes. Rien ne sert de dire « Ah, je fais des pompes diamants serrés comme ça pour vous flinguer les poignets et les coudes ». Trouvez simplement la position dans laquelle vous êtes le plus fort pour générer de la force avec une exécution correcte comme Greg vous l'a démontré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire beaucoup de reps ou du coup un maximum de reps pour pouvoir avoir les bénéfices sans douleur. Exactement. D'ailleurs, combien de reps tu conseilles ?
On sait aujourd'hui, grâce aux apports des dernières méta-analyses sur l'entraînement, qu'on peut générer de l'hypertrophie, c'est-à-dire créer de nouveaux muscles, avec des fourchettes aussi larges que de 4 à 30 répétitions. L'important, c'est de respecter à peu près la même proximité à l'échec. C'est-à-dire que si Greg a le niveau pour faire des pompes à plat et qu'il dit « Ok, je vais faire des séries de 4, je suis ici, 1, 2, 3, 4, ou j'ai fait une bonne série », on est sûr qu'il ne va jamais générer d'hypertrophie et de force. En revanche, si Greg n'a pas le niveau pour faire ça aussi aisément et qu'il a un niveau qui lui permet de faire à peine 4 ou 5 pompes et qu'il fait ça et qu'il arrive à quasiment une répétition de l'échec avec des séries de 4 ou 5, on sait qu'il va stimuler suffisamment son tissu musculaire pour pouvoir générer l'hypertrophie. Greg est un athlète qui est beaucoup plus avancé que ça, donc s'il faisait des pompes à plat ou éventuellement comme ça avec une des variantes qui sont les plus difficiles avec les pieds surélevés, peut-être que là, il va pouvoir arriver ou à l'échec ou à une répétition de l'échec, ce qui est un bon marqueur pour pouvoir progresser avec des séries de quoi, peut-être 20. Ouais, il est fort. Peut-être 25. Mais du moment qu'il ne va pas avoir besoin de faire 50 ou 60 reps, du moment qu'il va rester dans cette fourchette entre 4 et 30, il va pouvoir générer de l'hypertrophie et développer sa force. Ça picote hein, quand même. Je le mets dans le dur, le pot. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il pousse sa série, l'exécution ralentit parce que ça devient de plus en plus dur. Les reps faciles du début servent d'accumulation, notamment de fatigue neuromusculaire. Et là, on arrive sur un vrai effort musculaire au poids de corps. Et là, on est vraiment en train de créer des adaptations à l'effort. Yass, combien de temps on a fait? 19, 20 25. Et tu vois, je sentais qu'il m'en restait encore 3 ou 4. Ok, donc là, il garde quelques répétitions sous le coude, ce qui lui permet de diminuer son risque de blessure tout en ayant une vraie activation. On voit déjà, il y a une bonne congestion sur les épaules, sur les triceps. On voit pas ses pecs, mais je peux me douter que c'est à peu près la même chose. Tu veux voir mes pecs? On va les voir bientôt. Et là, vous avez une vraie série de travail effectif musculaire qui va vous permettre de créer un vrai résultat et pas simplement de faire une pseudo-séance bullshit, genre Instagram-like. Hey, regardez ce super mouvement que je fais et qui ne servira strictement à rien. Combien de séries? Le but étant d'arriver à accumuler du volume comme tu l'as dit. Si vous êtes débutant, peut-être que faire 2 séries par mouvement, si vous avez la bonne intensité, ça va suffire et vous aurez suffisamment travaillé pour générer une adaptation positive. Peut-être que si vous êtes comme Greg et moi et que vous avez besoin de plus de volume pour générer plus d'adaptation, 3 voire 4 séries par mouvement, surtout qu'on a pas beaucoup d'intensité parce que plus vous allez être avancé, plus forcément ce genre de mouvements vont paraître relativement faciles. 4 séries avec dans cette fourchette de entre 4 et 30 en fonction de la variante que vous avez choisie pourrait parfaitement suffire pour recruter le pattern de développer horizontal. Et le temps de repos entre chaque série? Le temps de repos dont vous avez besoin pour pouvoir recréer la performance idéalement maximale lors de la série suivante. C'est-à-dire que là, il nous a fait 25 reps. J'aimerais pas qu'il parte 40 secondes après et qu'il fasse 6 reps. Ça aurait aucun intérêt. Par contre, il récupère, il souffle, il marche un peu, il boit un coup. S'il prend 2 minutes, 33 minutes, vous pouvez totalement auto-réguler vos temps de repos. La science montre qu'on n'a pas besoin de faire ça avec un timer extrêmement précis. Si dans 3 minutes, il est revenu à son rythme cardiaque quasiment de fin d'échauffement, qu'il se sent bien, qu'il n'est pas comme ça en train de trembler parce qu'il s'est mis la guerre et qu'il peut refaire à peu près la même performance et qu'il nous fait 22-23 reps en gardant la même proximité à l'échec, et ben on est super. Ok, moi mon petit conseil perso, souvent je le fais quand je joue avec les enfants. Les enfants à la plage, ils jouent, moi je fais mes séries de pompes et du coup bah, pendant 2-3 minutes je rejoue avec eux, ils viennent voir. Parfois ça me rajoute un peu de surcontrainte quand ils montent papa, sur mon dos. Et j'adore. Mais du coup, je trouve que les séances de force, bah, c'est facile à faire quand tu te lâches la grappe sur le temps de repos. Ouais, de ouf. Et juste, tu viens chercher l'échec. En plus, ça vite la sensation de satisfaction. Ok, on vous a montré un mouvement de développé horizontal. On va faire un mouvement de tirage horizontal. C'est un peu difficile à faire si vous avez absolument zéro matériel parce que par définition, il faut un truc auquel s'accrocher. Si vous avez une barre de traction, vous pouvez faire éventuellement des tractions australiennes, donc avec les pieds par terre, en faisant un mouvement de tirage où vous allez avoir le corps un petit peu incliné. Si vous aviez une barre de traction en hauteur, bah, ce serait un mouvement de tirage vertical et pas horizontal. Mais si vous avez un artefact comme celui-ci, un petit artefact, un élastique, mec. Si vous avez un artefact niveau 34 d'un œuf des forêts, vous pouvez le combiner avec votre feu de souris de feu. Un élastique, ça prend zéro place et c'est extrêmement pratique. Vous allez voir, c'est super versatile parce que ça permet de recréer. Quoi, versatile, c'est pas vrai. Donc, tu vois, tu peux le faire à deux mains sur du tirage, soit tu peux le faire à une seule main si t'es plus à l'aise. Voilà. Donc, ça, tu vas me le faire entre 4 et 30 reps jusqu'à l'épuisement et 4 séries et 2 minutes. Voilà. Il n'y a pas de versatile ou d'artefact. Tu prends un truc, tu tires dessus. Troisième exo, merci. Mec, il faut un Becherel pour comprendre ce que dit Antoine Fauman. Petite variante de tirage, si vous avez une grosse poutre, vous êtes dans un chalet ou un point fixe ou une table ou un gros pied de tabouret. Simplement, vous pouvez le faire comme ça en vous posant, clac, les pieds contre le truc. Et là, on a un super mouvement de rowing
Si vous avez peur de baiser votre élastique, vous mettez une serviette autour de la poutre ou des points qui sont un peu abrupts. Ça fait un peu vidéo des années 90. C'est dis donc, Brandon, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton élastique et ta grosse poutre ? On a une super activation. Ici, on a du grand dorsal, on a évidemment du trapèze, on a du petit rond, on a tous les muscles, des fixateurs de l'omoplate derrière. Vraiment super cool. Tirage au tabouret, ça marche aussi. Ok, on a eu nos deux schémas musculaires, de la poussée horizontale, du tirage horizontal. On avait promis du pec. Moi, j'attendais d'être congestionné. Putain, c'est pour ça, en fait, qu'il s'est donné sur le début de séance. Oui. Pour la poussée verticale, exercice super simple, vous pouvez prendre soit l'élastique. Alors, je crois que toujours, ça s'appelle un push press ou un shoulder press. Alors, un push press, tu aurais une flexion de genou. Mais c'est à peu près le même exercice où on pousserait un peu avec les genoux pour pouvoir céder et gérer. Ce qu'on veut, c'est plutôt isoler le haut du corps. Exact. Donc là, on va faire un no HP, c'est-à-dire un overhead press ou développé militaire, développé au-dessus de la tête. Super simple. Et vous voyez, Greg l'exécute super bien. Et encore, je suis un peu court là sur les bras. J'ai pas une belle sonnette latérale d'épaule. Tu vois, juste ça. Ça, c'est excellent si vous avez des douleurs d'épaule. L'exercice est cool. Mais bien sûr que l'exercice est cool. Là, il le fait en bilatéral. Il a fait s'éclater les noisettes. Non. Si vous avez plus de force ou que vous avez un artefact d'élastique qui est moins épais, vous pouvez le faire la même chose en unilatéral, ce qui sera plus difficile. Ah oui. Ou alors, on peut passer sur une variante qu'on appelle les pike push-up, c'est-à-dire les pompes piquées ou pompes renversées. Et vous voyez que là, on est parti tout à l'heure sur une inclinaison du corps où le corps était ou légèrement en diagonale ou carrément à l'horizontale. Et là, on a un corps qui est presque à la verticale. Et donc forcément, vous allez voir une augmentation du recrutement musculaire sur les deltoïdes, c'est-à-dire les muscles des épaules. Vous voulez voir l'intérêt d'avoir un physique de CE2 ? C'est pour faire... Attends, merde. Tu peux me guider juste pour être bien sur ta grosse poutre ? Ok. Attention. C'est pour faire les HSPU. HSPU, c'est super pratique parce que vous avez besoin seulement... Juste un mur ou une poutre. Et ça, en vrai, si vous avez la force de faire ce mouvement-là, c'est un excellent exercice de développé vertical et de poussée verticale pour les épaules. C'est un des meilleurs exercices en chaîne cinétique. C'est un des meilleurs exercices en chaîne cinétique fermée qui soit pour développer la force et l'hypertrophie des deltoïdes et des épaules. Ah, c'était super. Comme d'habitude, vous allez jusqu'à l'échec musculaire entre 4 et 30 reps. Si vous arrivez à me faire 30 HSPU, franchement, de toutes mes félicitations. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'échec, vous pouvez rester à genre une rep de l'échec si vous en gardez une sous le coude et que vous dites « Ah, là j'ai vraiment poussé comme un putois, si je pousse la dernière, c'est sûr que je vais faire un échec », vous pouvez très bien vous arrêter là et en vrai, les bénéfices sont les mêmes. Contrairement aux idées reçues, quand vous avez fini cette séance, vous n'êtes pas obligé de vous étirer, vous le faites si jamais vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, buvez bien de l'eau, reposez-vous, assurez-vous d'avoir une alimentation équilibrée par rapport à vos objectifs. Si la stratégie pour pouvoir optimiser vos entraînements au poids de corps sans aucun matériel vous intéresse, j'ai sorti avec mon ami Nevin une formation qui s'appelle Apocalypse Training, qui est un programme intégralement clé en main qui vous permet de savoir comment vous entraîner avec zéro matos dans toutes les conditions qui soient. Le lien est dans la description juste en dessous si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Et si vous voulez comprendre les bases de la quantification du stress mécanique, comment gérer des douleurs d'épaule, de dos par rapport à votre activité physique, vous avez mon livre. 10 clés pour encore bonne santé. Juste là. Non, c'est cool, franchement, dites-nous en commentaire si vous aimez ce type de séance. Moi, je motive à fond Antoine pour qu'il en fasse. C'est pratique, ça fait du bien, on a des réponses clés en main. Évidemment, faites-vous accompagner par des pros si vous avez des objectifs physiques. Mais ça fait toujours du bien de pousser un peu. Exact. Merci Greg pour ton humour et ton professionnalisme hors pair. Humour un peu grave, comme ça tourne quand même autour du trou de balle cette histoire. Ça passe toujours. Bouge pas, je vais chercher le poney. Je vais chercher le poney. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, éclatez-nous un pouce bleu juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de mon ami Greg et à la mienne, ça fait jamais de mal. Et on vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude, avec le sourire. Bye bye. Bye. Backlash written on me, car dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.